بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En premier, chers frères et sœurs, nous guettons à qui Allah subhanahu wa ta'ala permet nous pour t'en dire de namaz Isha, qu'il soit premier ou deuxième rakat, imam finamine une partie de surah C, surah Nahl, un Nahl qui veut dire les abeilles, ça même qui nous dit à nous, Mousdimiel, Allah subhanahu wa ta'ala fin amène nous un surah, pas un de ce bonne créature, sans aucun doute, afin qu'il nous réfléchisse. Le saut va lire. Quand nous guettons l'action, les efforts d'un mousse du miel, il y a beaucoup à réfléchir, frère. Zis, pour nous comprendre, sa litre du miel qui nous gagne devant nous là, quantité, un mousse là, bizan à l'ouen pollen, pour les choisir, laquelle qu'il y prend pour l'y amène de ce ruche. Sans compter qui a la tête une seule qui contrôle le tout. C'est ça qu'on appelle la reine. C'est ça qu'on appelle la reine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa surah-là, il dit à nous qu'il y finit descendre la révélation, wahi, le mousse du miel. La révélation, wahi, l'idessan, le ban prophète, l'idessan, le ban dimoun, même je pas prophète, l'exemple de Moussa alayhi salam, son maman. Fa'auhayna ila ummi Moussa an arduri. Et nous fin descend le maman Moussa alayhi salam, wahi, pour lui donner ses enfants bois. Donc, nous trouvons la révélation wahi, Allah subhanahu wa ta'ala descend le n'importe qui s'en a promis ce ban créature, et l'exemple qui est avec nous, c'est le fin descend le mousse du miel. L'autre qui est avec nous comme leçon, chers frères, rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala finalement nous pour tendre, c'est ayat 96 qu'on dit à nous, Marindakum yanfaz, wa marindallahi baqa. Nous faisons tendre de namaz Isha. Connais qu'il y a l'un de nous là. Tout ça qui te possédait. Il faut aller là. Yanfaz. Nafada veut dire une petite chose qui vous trouve les fini devant vous. Vous trouve les fini devant vous. Pour oublier qu'on prend les, prend un glaçon. Mets de soleil. Quand tu des efforts ou pour faire, qui peut arriver à glace on là. Ça qui Allah fait dire nous là. Marindakum, yann fad. Combien d'efforts pour faire? Tu vous finis seulement? Et guette bien comment Allah subhanahu wa ta'ala dit nous ça. Il n'y a pas dit nous, il y a dans une façon qui lui amène nous pour. Mais demain, pour moi, pour quitter. Ça nous dit ça qu'on est.
Mais seulement, il voulait faire nous comprendre si ça quitte chose qui t'a gagné là, il y a une quitte chose mondaine. T'as pas une quitte lui, mais seulement il vous finit. Les bises finis. Nous prenons l'exemple. De même, on a une petite chose. Combien de temps on vit vivre la terre? 100 ans. Quelque chose là qu'on aime, allez nous faire vivre 100 ans. Quelque chose là qu'on aime, nous faire vivre 300. Mais pour arriver un beau jour, n'oubliez pas qu'on mort, toi, qu'on vive. Mais seulement quelque chose là qui vient arriver là. Il vient de se destruction. Il vient fini ici. Il vient fini. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pas permettre nous pour réfléchir le nous, permettre nous pour réfléchir le nous possession. Ça qui est ce qui nous possédait là. Il finit ça. Tout de suite, il dit à nous, wa ma indallahi baq. Quand on dit que ça qui est auprès d'Allah, il restait à baq. Il restait pour tous les temps ça. Dès qu'il chose, N. Moi, mon guetté à ce qui m'a choisi? Mon rôde ça qui? Mon connaît un jour pour fini? Ou bien mon rôde ça qui pour l'éternité? Mon connaît le choix? Mon encore est là? Et n'a le choix? Deuxième, cher frère, B. Quand on peut dire moi, ça qui auprès d'Allah, il reste. Est-ce qu'à quand vous pensez? Jusqu'à quand vous pensez? Qu'on appelle l'éternité? C'est juste moi qui reste qu'on pense ça. Ça qui est là auprès d'Allah, il reste pour l'éternité. Je veux dire, jamais il finit ça à l'os. Chers frères et sœurs, combien nous avons possédé une quitte sur l'eau du nia? Combien de temps? Mettez-le depuis mon prenaissance, il met ça le mon nom. Mettez-le mon mot lorsque 86 ans. Pendant 86 ans, ça le mon nom. Soit l'infini, soit mon moment. Qui ça 95 ans, 96 ans, 100 ans là, vaut, mon propriété est une chose qui est une date limite qui est finie, comparé à ce qui Allah fin gardé pour l'éternité. Qui dit vos frères? Quand on comprend ça, bout là de ça, ayat là, à chaque moment qu'il y a un choix présent devant moi, est-ce qu'il m'a choisi ça qui pour finir ou bien m'a choisi ça qui pour rester pour l'éternité? Le choix vient de moi, frère. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, peine un prophète qui, quand il arrive le lili l'amour pour les quitter de nien, excepté qu'il y gagne le choix, est-ce qu'il te continue à vivre ou bien te pour? Te poil que te robe. Tout prophète choisit là-haut. Parce que c'est notre modèle. Quel exemple je vais donner nous quand je choisis là-haut? Je quitte ce qui est temporaire. Je t'en ce qui pour l'éternité. Donc de ça, bout à yat la chef frère, tout le temps mazini. Demain, l'occasion présentée, mon frère, mon sœur, quand papa est mort, puis comment dire, moi, tu connais sa terrain là, moi, pour poursuivre. Papa, dis-toi, papa, dis-toi. T'as envie de prendre, papa. T'as envie de prendre, t'as l'air qu'aux trois pieds là-dedans? T'as l'air qu'aux six pieds? Papa, dis-toi. Parce qu'il y a 10 ans qu'il te met à dire, moi, tu parles la cour, tu parles poursuivre, moi, tu là, 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 là. Mais qu'il te fasse ou donne vie, dit que ça joue l'aime, nous, moi. Pas la cause trois pieds, six pieds, on voit la guerre, toi, là. Parce qu'il y a ça dounia, l'hiver est fini. Mais ça qui là ou là, ça l'est resté pour? L'est resté pour l'éternité. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, ça qui est avec nous, à partir d'aujourd'hui, dans jeudi, après Isha, c'est comment je trouve une écrite, Kitabul Kabair. Pareil, comment nous procéder? Vedjen nous parle plus que 45 minutes, y compris avec l'introduction de ce qui imam in lire, Inch'Allah. Ensuite, nous pourrons lire le 3 jeudi, le 4e, nous prenons congé, ou si on a quitté l'engagement, l'onika, etc., nous finissons prévenir les autres semaines qui
semaine qui précède sa action-là, etc. Mais pour aujourd'hui, comme introduction, quand nous guettons le titre du livre Kitab al-Kaba'ir, nous dit bien comme introduction, Liban nous prend le titre même. Qui fait pour nous connaître que ça nous peut aller. Kaba'ir, c'est le pluriel de Kabir, qui veut dire grand. Le contraire de Sorir, qui veut dire petit. Ça, à la fin, il vous présente avec nous, Inch'Allah. De là, nous pouvons trouver Inzis de Kitab al-Kaba'ir. Si nous traduisons littéralement, livre de ban grand, nous finissons par comprendre qu'il y a fait des péchés, ban grand péché. Mais seulement comme introduction, chers frères, pour nous valoriser une petite chose, Liban nous connaît des yélix sanakiena. Vous ne pouvez pas manger d'un aliment. Si manger là bon, qui vous demande non d'oulha? Qui vous demande non? Mandaria Xana. Parce que quand une petite chose est bon, ou envie qu'on ait Xana qui a l'orier de ça. Une fois qu'on connaît Xana qui a l'orier de ça, prochain qui va aller autant Xana, on finit qu'on est quoi? C'est pour ça, première petite chose qui nous fait, c'est nous guette biographie, la personne qui écrit sa livre. La personne qui vient écrire sa livre là, c'est lui-même qui, le nom qui nous gagne, c'est Imam Zahabi, qui vient prendre naissance le 673 Hijri, et il vient quitter Dunia le 748 Hijri. Quand nous finissons la personne, comment nous dire, nous connaissons Kara. Quand on connaît 24 Kara, 99 fois 9 ça. Donc on connaît Benazur Lialos. Première petite chose qui vient avec nous, chers frères et sœurs, c'est nous commençons par ce nom. Shamsuddin Muhammad ibn Othman ad-Dimashqi. Dès là, on finit comprendre Damascus, Damas, c'est la capitale de la Syrie. La Syrie, ça qui a aujourd'hui nous dit la Syrie, à l'époque, ça a même petit Cham. À Cham, ça qui mentionnait dans le Hadith, il ramasse la Syrie, ça qui nous tendait aujourd'hui, il ramasse la Palestine, il ramasse la Jordanie. Il ramasse la Jordanie, il ramasse l'Irak. Tout ça là dans Cham. Ou traduire Cham littéralement à Ster ou gagne la Syrie. Mais quand nous guettons la Syrie, le map, nous prenons tendance à gagner, c'est ça qu'ils appellent la Syrie. Mais seulement, à cette époque-là, quand nous pouvons dire à Cham, il ramasse la Syrie à Zodji, il ramasse la Palestine. Il ramasse au Jordanie, au Cisjordanie, au Boutirak, tout. Il ramasse tout ça là. Tout ça là font partie dans Hacham. La capitale de la connaissance digne à cette époque-là, c'était Damas. C'est pour ça qu'on trouve certains parmi les grands savants sorti là-bas. Et un de mes plus grands exemples, c'est Imam Ibn Kathir. C'est lui qui amène le livre de Tafsir Coran. Ça, c'est l'endroit là, ça. Nous continuons pour nous dire, nous gagnons cette date de naissance, 1er Rabi. Les fins gagnent le nom à Zahabi. Zahab veut dire l'eau. En d'autres mots, Périlieli avec un bijoutier. Parce que ce papa tient un bijoutier.
Ce papa tient bijoutier. Donc, ici, il commence à gagner ce travail-là. De là qu'il prend le nom Al-Zahabi. Mais ce nom, chez Shamsuddin Muhammad, nous continuons, chers frères et sœurs, depuis bien bonheur, il finit mémoriser le Coran. Parmi une particularité, connais, qui fait nous explique ça? Quand je dis, comment c'est une fois? Qui est un grand péché qui est là? L'ignorance d'un vrai savant dans l'islam, où il y a un djimoun koumama venu à Sizé, nous dit à l'échec, et il compte. Hein? L'ignorance d'un vrai savant dans l'islam, un koumama venu à Sizé, je te dis à l'échec, et il compte. Hein? Parce qu'il nous pas connaît un vrai chèque, c'est qui ça n'a? Nous en connaissons. Parce qu'il ban qui nous dit un vrai chèque là, avant que j'ai gagné 10 ans, j'ai fini même russe courant. Ça ban l'avance qu'ils ont fini prendre nous noix de stal. Et avant nous rendre d'orbit, nous avons fini lever la main. Depuis tout petit, l'infini mémorise le Coran. Et avant de sortir, il récite 40 fois le Coran. Qui veut dire avant de sortir? Il veut dire, pour qu'il connaisse qu'il mémorise le Coran, il récite 40 fois avec son professeur après y aller. Moi, si je suis escalé, je ne peux pas 40 fois terminer le Coran. Les 40 fois, il récite les pour qui? Ça dit maintenant ce livre qui nous parle de dans les 10 frères. 40 fois, il récite le Coran pour qui avec ce professeur? Pour qui ce professeur permet lui à l'âge de 18 ans, de ni ijazat. Qui veut dire ijazat? Il dit à Zad, chers frères, mettez-nous en place. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lit le Coran. Ben sahabat, mémorisez là oui non. Là-dedans, il n'y a pas mis autre qui ne retire, quoi nous dire, tient la tête pour lecture Coran. L'exemple, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Je quitte Madina, je vais dans l'endroit. Je vais enseigner Coran. Quand je t'enseigne le Coran, sa bande qui mémorise aux autres là, je dis à mon apprenant avec Abdullah ibn Mas'ud, moi. Donc, il enseigne à cette ici. Ses élèves disent à mon apprenant avec un élève qui apprend avec Abdullah ibn Mas'ud, il y a les mêmes comme ça, c'est une narration. Il y a les mêmes comme ça. Est-ce qu'à Zodi, il y a un analyse? Est-ce qu'à Zodi, il y a un analyse? C'est ce qu'on appelle Ijazat. Veut dire, professeur, là, donne permission, tu es capable de dire, tu apprends avec moi, moi, je apprends avec un tel, finit apprendre avec un tel, qui les mêmes, ce qui arrive le nom Sahaba, qui, il finit apprendre là. C'est ça qui appelle la connaissance, frère. Imam Al-Zahabi, rahimahullah, il prend sept lectures, sept. Connais-la, sept façons de dire le Coran. Même ayat, écrit de la même façon, mais prononciation différente. Hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, certainement sa Qur'an a fin de descendre le 7 ahruf, le 7 lit, veut dire 7 façons de lire le Qur'an. Il prend tous les 7 lits, à l'âge de 18 ans. Ça dit, on a ce livre qui nous va l'apprendre, frère. Zis pour nous pas contenter, nous zis avec le livre, ou bien nous penser, mais comment Dimouna Kavin dit un grand PC? Connais Dimouna qui t'y était avant. Nous continuons, chers frères. Après ça, sans aucun doute. S'il a 18 ans, il finit mémoriser le Coran. 40 fois, il finit lire. Il prend son ijazat. Qu'il vient de Coran à l'os.
qu'il est venu dans le Coran. Jusqu'à même, parmi ce bon professeur, je dis à mon grand professeur, je donne cette place. Je dis à lui, dis même mon mot, tu as trouvé en place là. Je ne trouvais un dit remplaçant de confiance concernant sa dîne pour les autres continuer à profiter avec lui. À partir de là, en même temps qu'il peut apprendre, le Coran, c'est là qu'il se désire pour apprendre ben les autres petites choses concernant dîne, vini. Veut dire apprendre hadith, apprendre ben scène de narration de hadith. Ça commence une dans lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous, dès qu'il y a des choses qu'il a gagné ou pas trouve assez. Un c'est cash, deuxième c'est la connaissance. Dès qu'il y a des choses qu'il a gagné ou pas trouve assez. Un c'est cash et deuxième c'est la connaissance. Le fait qu'il ait fini pour un Coran, à partir de là, il commence à prendre ban hadith. Pas juste texte hadith, li oule kon ban sen narration. Li oule kon ban personnage de sa ban sen narration là. Là, il commence à se dire. C'est là qu'il consacre li jusqu'à ce l'amour. À cette époque-là, pour gagner la connaissance, frère, bien voyager. Là, qui nous comprend que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut cause le bandimoun qui prend chemin pour aller chercher la connaissance. Je ne sais pas comment moi, je suis sorti de mon loto, je suis là. Et là, je suis sorti une petite famille après jour, semaine, mois, l'année. Il y a un autre retour dans la case. Il me dit ça, la prendre, il retourne ça. À cette époque-là, Imam Zahabi, rahimahullah, parmi ce bon premier voyage, comment il écrit, il n'est pas content, il existe à l'intérieur, charme. Il veut dire, non, l'inal hijaz. Hijaz veut dire, l'inal apprendre au bon qui dans ma cas de Madina. Jusqu'à même l'inal les zip. Quand il prend naissance, il fait tout ce voyage-là, le chameau. Il vient de Madina pour y apprendre. Il reprend ce chameau après quelques temps, il vient de Makkah pour y apprendre. Il prend ce bateau, il y a l'Égypte, juste pour y apprendre, frère. Juste pour y apprendre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à nous, peine un djimoun qui prend chemin de la connaissance, excepté que toute bonne créature qui est là demande Allah pour lui, c'est qu'il est retourné. Imaginez-nous une personne comme ça qui est sur la case, get sa bonne endroit qui nous cité là, get la Syrie côté là-haut. Imaginez-nous après combien de temps il retourne sur la case, de qui protection lui était. Sans aucun doute que lui peut apprendre hadith. Il apprend sur la loi grammaire, il apprend le langage arabe. Quand on peut dire langage arabe, il suffit, il n'est pas cause arabe. Non. Quand on peut cause langage arabe, veut dire ça qui nous dit Fusha, veut dire sa langage qui est dans le Coran, dans le Hadith, il est différent avec le dialecte qui est causé. Et surtout, il commence à consacrer l'histoire. Noir est la même. Qui fait mettre l'histoire en rouge? De l'histoire. Parce que, chers frères, Libo nous connaît que Imam Zahabi, c'est la personne qui fait un livre qui appelle Siyar et Erlam Nubala, qui lui raconte la vie de tout ban savant qui vini, prend depuis ban Tabérine pour venir sur l'époque. Je la vie lui raconter. Au Bougainli, dans environ 15 à 16 volumes, il écrit un livre pareil. En d'autres mots, il dit que tout ça va nous dire, les autres personnalités, la vie, oui, non. Il dit tout, frère, il met tout en écrit. Nous redire, quand nous pécoses, il intéresse à l'histoire,
C'est une histoire concernant Dine. Il a écrit un livre qui s'appelle Sir. Il dit l'histoire. Erlam ou Nubala, un grand personnage, ou prend depuis l'époque, un sahaba, un tabirin, tout ban jimoun qui vini, tout ban imam qui vini, tout ban savant qui vini, jusqu'à sur l'époque, il crée toujours de la vie là-dedans. Aujourd'hui, quand un qui ken peut raconter la vie de une personne, connaît son référencé là-bas, ça. Parce que Imam Zahabi, rahimahoullah, il finit faire grand travail là-dedans. Il finit faire tout, les frères. Nous disons, et nous avons un livre là, nous avons un imam sur la vie, nous avons envie d'apprendre, nous avons envie de nous lire. L'infini crée tout. En d'autres mots, il besoin qu'on la vie, tout ça, bon personnage là. Ça, Imam Zahabi. Ça, quand il intéresse pour écrire dans l'histoire. Pour lui, il y a quelque chose qui nous besoin de connaître concernant lui. Il y a trois personnes qui étaient bien proches avec lui. Mais là-dedans, c'est des gemmes là qui plus intéressant avec nous, c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est une personne qui est bien proche avec Imam al-Zahabi. C'est lui-même qui nous a habitué ton, comme un frère amène une bonne référence de dire au Cheikh l'Islam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, avec Imam al-Zahabi, ban qui est bien proche. Est-ce qu'à même quand il mort, Imam al-Zahabi, en l'homme, il tient un poème. Vous connaissez à l'époque là, poème, c'est pas même quelque chose qui est bien courant pour vous montrer les efforts qu'une personne vient faire. Il écrit un poème, l'Ibn Taymiyyah, et là-dedans, il dit qu'Ibn Taymiyyah, ce bon livre qu'il écrit, dépasse le nombre de 1000. Pour même quelque chose qui nous besoin de connaître, chers frères, dans ce livre-là, lui-même, l'Imam al-Zahabi, lui dit, parmi les savants qui nous apprennent, le nombre de 1300. En 1300 chèques qui nous passent, ils apprennent pour aujourd'hui, comme ça. Si nous prenons le nombre de professeurs depuis nous dans l'école maternelle, nous ajoutons les primaires, nous ajoutons les secondaires, nous ajoutons les professeurs, les sons tout là-dedans. Nous arrivons 100, nous arrivons 200. En 1300 savants, ils apprennent pour gagner la connaissance. Frère. Là, qui nous permet de comprendre quand les filles passent sa bonne l'endroit là, qui base qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'ils bannent savants après, comme Ibn Hajar, rahimahullah, dit, concernant lui, Banjimoun de, comment nous dire, de quatre coins du monde, venu pour apprendre avec lui de ce l'époque. Veut dire, tu arrives à l'époque, parce que dans YouTube, parce que dans nous, hein? Des bouches à l'oreille de péninsule arabe, je t'une commence à causer Imam al-Zahabi. Tu as envie qu'on dit l'islam, Al-de Damas. Et une personne appelée Zahabi là-bas, elle apprend avec lui. Débouche à l'oreille, je tout infini con, comme ça, quelque chose là. Oh, donc, de là, cher frère, pour une bonne parole qui banna dit, ban savant même, je donne le titre de imam, je donne le titre de grand savant, historien, et je même dis, il y a un maître de muhaddith. De hadith, t'as là une cause de ça? C'est faux côté l'histoire envers les savants. Commencement d'une cause de ça, c'est faux concernant le Coran. L'in apprend, l'in récite 40 fois et l'in gagne idiazat de cette lecture. Ici, les savants peuvent dire qu'il y a un muhaddith. Elle comprend combien de hadiths qu'on peut qu'il y a. Ça dit que ce livre, frère. Quand la personne qui vient écrire ce livre-là, vraiment, dit d'un savant. Ça qui est capable de dire, c'est un chèque. C'est un savant, frère. Pour même quelque chose qui nous besoin connaît, c'est qui Ibn Kathir. Il n'a pas avec lui.
Quand on dit Ibn Kathir là, oui, ou Gani bien là. C'est lui qui nous fait tafsir le Coran là. Il apprend avec Imam al-Zahabi. Veut dire côté Coran, c'est Ibn Kathir qui nous vient. Ce professeur qui s'en a. Mais professeur là, comment il était comparé avec Ibn Kathir à l'os? Ou gagne un professeur, basant le bon élève, qu'il en faut? Qu'il en faut, mais. Un parmi ce bon élève, chers frères et sœurs, c'est Imam Ibn Kathir. Ça, c'est un aperçu, l'eau, la personne qui, Inch'Allah, nous prend ce livre. Dès là, nous ne pouvons pas commencer, chers frères. Nous commençons par nous dire Al-Kaba'ir. Kaba'ir, c'est le pluriel de Kabir, qui veut dire grand. Le contraire de Sarair. Sarair, qui veut dire petit. Grand petit, ça qui nous peut causer ici, c'est péché. Ou donc, un kiken pour dire, ou peut dire nous, en a grand, en a-t-il péché? Moi, je dis, oui, en a grand, en a-t-il péché? En a grand, en a-t-il péché? Pour une quelque chose qui nous prend pour aujourd'hui, et Inch'Allah, l'autre semaine, nous rentre dans le vif du sujet, comment nous connaissons différence qui est là entre un grand avec un petit péché. Comment nous connaissons ça? Premier, quand on trouve un péché fin attache ou une punition spécifique, qu'il y soit dans l'enfer, qu'il y soit dans le kabar, et plus grave encore qu'il y soit, l'Odounia. Il finit de dire sa punition. L'exemple, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam cause concernant un celui qui partit à Zakat comme un bizin. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous, pour faire lui venir comme un fer, pour se t'emparler au lit. Hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit à nous, lui pour envelopper comme un serpent, pour piquer lui. Quand nous avons une punition pareille dans l'enfer, nous connaissons ça, péché là, le péché grave à l'os. Punition d'Akabar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait au Jibril alayhi wa sallam, une personne attachée pour son pied, se détendant coupé, disant peut couler, sur la bouche déchirée, disant peut aller comme ça. Quand il demandait, qui ça dit mounin? À la fin, Jibril al-Salam Jali, c'est un dimoun qui ne garde Rosa, mais qui ne précipite pour faire iftar. Veut dire, il fait iftar avant lire. Pas de pan gardé là, hein? Il fait iftar avant lire. Ça, c'est l'opinion de Kabar. Alors qu'on pense à lui qui parle de là qui arrive à l'os. Ça nous connaît, veut dire un péché grave à l'os. Pas un grand péché. Troisième, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous, pour une désobéissance qui, Allah subhanahu wa ta'ala commence à punition sur la terre, c'est une désobéissance parent. Un quelqu'un qui désobéit à ses parents, depuis la terre même, Allah commence à rappeler. Ça, c'est haine. Une façon qui nous connaît, c'est une action qui nous est grave. Vous voyez comment on trouve un hadith mentionne péché là, sous conséquence de l'enfer, de Kabar ou bien de la terre, qu'on ait un grand péché. Deuxième, quand on trouve une attache malédiction à Allah avec lui. Dans le hadith,
On trouve le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire La'an Allah, malédiction Allah l'eau, malédiction Allah l'eau. Il y a les mêmes comme ça. Sa action qui citait après là, pas prendre léger à l'os. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala donne à une personne une malédiction, veut dire qu'il arrive de gagner pitié pour lui. Un de bon exemple, hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous, malédiction Allah, là, une madame qui ajoute CV à son CV, veut dire CV péric. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, malédiction Allah, là, une quelqu'un qui épile ce souci. L'un monsieur qui imite madame. Vous avez la liste ça. Donc, comment on a une malédiction Allah, vous finissez connaît un grand péché ça à l'os. Troisième, c'est quand il cite la personne pour dans l'enfer pour tous les temps. Mais là, nous arrêtons la même. De base, un non-musulman, s'il dit pas mot, le croyance et un seul Allah, libre dans l'enfer pour tous les temps. Quant à une personne qui nie shahada, la ilaha illallah, combien de péchés il y en a? Un jour, Inch'Allah, il y a un jour. Mais si nous gagnons Jannat, correct, veut dire non. Au fait, la loi dit invini pour qu'il ne te pas fait une fraction seconde de Jannat, de l'enfer. Parce qu'il ne te pas pour capable de t'y. La cause n'a même tout ça la loi, tout ça l'obéissance là. Tu ne pas pour capable de t'y. Frère, nous lui pieds tout ça l'échappement. Qui arrive nous lui pieds? Oui. D'offrir pour me détruire, il y a un petit guide trop là-haut. De lui se saute le lit. Trois jours, il n'y a pas de pas de fait qu'il y a de lui le saut qui saute le lit là. Trois jours, bien c'est manger là. La même clause. Mais si Dieu fait un petit gain, toi, qui arrive? À ce que Dieu fait gain nous, brûler, nous besoin cause qui degré. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ça dit fait là ça. Ça dit fait dounia. Dit fait dounia brille pas degré. Mais seulement tout le temps. Quand au cause dit fait cher frère, mazine une seule chose. Mazine lave. Lava d'un volcan. D'un volcan. Quand un volcan en éruption, quand lave descend, c'est là qu'il vous dit. Ça a si fait du nia. Il ramasse tout là où il est. Ça, les NLO 70, ça qui est là-haut. NLO 70. Si l'échappement, peut faire moi banner les pieds comme a dit Michelin. Si de l'huile saut, peut faire moi pas couille manger trois jours. Mais si lava passe le au moins. Mais si lave là, quand il passe, il y a NLO 70. Mais dès le 70 là, où là, comment était à l'os? Pas direct le 70, hein? Nous ne pouvons pas comprendre, frère. Nous augmentons les. Mais dès le 70, comment pour être à l'os? Si NLO 70 volcan, mais 3 le 70. Arrête là, frère. Qui a pensé pour gâcher ça là? La cause est dans la loi là. Fais-tu nous envie? Moi, c'est à nous, Enzo, dire Enzo, où tu mets un madlo en là. Pas madla qui tient bail. Mais vous comprenez, je ne passe pas là-dedans du tout. Arrive ça qui arrive. Donc, troisième, quand le Coran mentionne pour ban musulmans, je te pousse dans l'enfer pour tous les temps. Là, on connaît les affaires pas bon. Par exemple,
un celui qui tue un musulman. Mais dire un croyant qui tue un autre croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans sur la 4 sur An-Nisa, « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا » Et celui qui tue un croyant consciemment, certainement sont récompensables dans l'enfer pour tous les temps. Là, on connaît un grand péché, ça, l'os. Quatrième ou bien cinquième, moi, je vais rappeler exactement qui chiffre nous arrivé, parce que nous n'avons pas besoin de chiffre nous. Nous avons besoin de comprendre qui banne signe qui nous connaît, ça, c'est un grand péché. Dernier, ça qui nous prend pour aujourd'hui, c'est quand Allah dit à nous, ça, c'est sous la loi. Pas transgresser. Là, on connaît les affaires pas bon. Là, on connaît les affaires pas bon. Donc, Quran divine, tilka hududullah. Ah ben, oh Allah, toute la loi nous déjà connaissons. Non. Parfois, il y a un moment, Allah dit à nous, ça c'est mon la loi. Ça c'est mon ban limite. Tu n'as pas transgresser limite là. Là, on connaît les affaires avant de voir l'os. Vous avez la case vous-même. La case, ça ne pas connaît vous-même qui papa la case. Je tout connais. Mais seulement qui enfants là, il fait, ou bien qui lui pense pour faire, quand vous pouvez dire comme ça, donne-moi bien seulement qui m'a dit toi là. Moi, ton papa qui peut causer toi. Mais pas moi, ça connaît de mon papa. Mais fait, tu me dirais préciser ça bout là. Moi, ton papa qui peut causer toi là. Moi, ton papa qui peut dire toi, pas faire ça. Les enfants là rient là encore. Ils ont un grand rire, mon Dieu. Ils codent, ou quoi, là. Ou bien ils commencent à faire pas bon là. Mais quand Allah dit à nous, tilka hududullah. Ça, c'est mon ban la loi, c'est mon limite là. Veut dire, son limite, pas Allah, son limite de capacité, non. Son limite de la loi. Ici, halal, là-bas, haram. Pas sauter. Ensuite, il dit, wa man yata'adda hudud. C'est lui qui saute sur la loi. Et s'appliquant l'exemple qui est dans chez frère, c'est quand la case où il y a sur la 4 sur la Nisa, ayat 13-14. Qui cause concernant l'héritage. Concernant l'héritage, nous terminons là pour aujourd'hui. Fais bien attention, mon frère. Fais bien attention, mon soeur. Beaucoup parmi nous, nous préfèrent Almo, la ripopène ici, pour partage du bien qui m'amène quitter. Quand on dit la République, si je n'ai pas préféré le mot rabita quand même, je veux dire la Cour suprême, ou bien la Rédif Kavel, pour gagner ce qui m'a pas peine quitter, ou accepter pas prendre la loi Allah, la cause m'offrir pour gagner plus, parce que la loi Maurice pour de nous égale. Al-Git Ayat 14, qui a été warning à l'un donné, pour un dimon qui pas accepter la loi Allah. Ce qui nous pour gagner là, Mazine de commencement qui nous apprend. Ça qui nous est là, un jour pour finir ça. Un jour pour finir. Passons ça la loi, la frère. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, un parent pendant 60 ans, 70 ans, il fait action habitant Jannah, avant l'immour, il déshérite un parmi ses bons héritiers, excepté qu'il est dans l'enfer pour tous les temps. La loi d'héritage, c'est parmi ben la loi qui quelqu'un transgresse les, ce qui fait nous qu'on ban grand. Ban grand péché, c'est l'eau là qui nous contient, Inch'Allah, l'autre semaine, chers frères et sœurs, nous amène une différence qui est là. Ensuite, nous venons avec façon que Imam al-Dhahabi, rahimahullah, les fins numéro de ban grand péché qui mentionné dans de ce livre, et tout, Inch'Allah, je vous trouver, les supporter par ban ayat Coran ou les supporter par ban hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته